Compilation des vidéos drôles les gars. Je vous invite à visionner jusqu'à la fin tout en n'oubliant pas de liker, de commenter et de vous abonner. Passons directement à la vidéo. 33, 32, 34, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165,
il interpelle les blogueurs parce que je ne sais pas si on a signé un contrat avec lui. Vous parlez de quel artiste? Esaïe l'original là. Il a dit quoi dans sa chanson? Quand nous on ne fout rien sur les réseaux sociaux, on passe notre temps à nous insulter. Et c'est ça qui t'a énervé? C'est tout. Est-ce qu'il a dit ton nom? J'aime pas ça. Il a pas dit ton nom? Tu te lèves, tu te muscles sur lui, tu t'acharnes sur lui. Bon, mais il a chanté, est-ce qu'il a insulté quelqu'un? Je sais pas. C'est une injure aussi pour moi. Si pour toi c'est pas une injure, c'est toi que ça regarde. C'est en fonction de mon oreille. Parce que ça, c'est influencer les gens de la mauvaise manière. Comment ça? C'est de faire croire aux gens quand nous, on ne fout rien sur les réseaux sociaux, on passe notre temps à nous insulter. C'est ce qu'on est là qui l'a dit. Ma chérie, tu as cru, hein? Bon, ok. Mais la dame, là, tu lui reproches quoi? La pub de la chanson. Elle a fait la pub de la chanson? Oui, oui. Et c'est ça qui t'a énervé? Oui, oui. Bon, maintenant, toi, tu lui reproches quoi? Elle m'attaque, je réplique. C'est de ça qu'il s'agit. Je vois. Mais le clash, là, c'est pas bon. Voilà. J'ai dit un clash de ma petite sœur. C'est la tante là qui t'a pété sur un clash, là? Oui, oui. Rien qu'avec mon regard, je peux enflammer l'esprit qui possède ton corps. Hein? Comment mon corps même s'est bien enflammé? Vous êtes bouillonnante, hein? Tu vas enflammer quoi encore? Mes os. J'ai dit doucement, il n'aime pas trop ce que vous faites, hein? T'as demandé quelque chose? Tu n'as pas à te mêler. Tu restes à ta place. Excuse-moi, aujourd'hui là, tu es très nerveuse. J'ai dit qu'elle est là, elle vige. Tu as besoin de faire l'amour. Mais chérie, fais attention, faut pas gâter la tête de mes caviar. Pourquoi elle a besoin de faire ça? Mais quand il fait pas l'amour, je suis nerveuse et aigrie. Toi qui es jolie comme ça, là, je serais qu'un comportement de mamie Wata comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle est nerveuse. Oui, oui, pas de garçon qui me manque. N'importe quel homme je veux ici là, il me positionne. Ma chérie, tu veux faire championnat? Il peut pas dire non. Mais chérie, tu as cru? C'est en train de partir là, c'est trop fort pour moi. Je suis partie. Les amis, vous pouvez télécharger l'application One East Bet, vous inscrire avec mon code promo Sarah 225. Jouez à One East Game, vous pouvez avoir de l'argent et accumuler jusqu'à 1 500 € de bonus. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ma facture d'électricité, 400 000 et quelques francs. Nous les Burkinabés et les Maliens, nous on paye pas facture comme ça. Hein. Nous on vend l'électricité aux autres, et payent moins cher que nous. La facture a augmenté ou pas? Faut pas parler maintenant, Kavo. Donc toi, la semaine, tu as pris drap. Nous, on est en train de mourir ici. Moi, dans le temps, je payais 45 000. Maximum, moi-même, je m'étais bloqué dans la tête 50 000. Mais aujourd'hui, ma facture est arrivée 109 000. On va dire même 110 000, j'ai arrondi. Ma facture d'électricité, ce mois-ci, 400 000 et quelques francs. Et j'ai toujours payé 300 et quelques mille francs sans savoir pourquoi. Moi, ma facture, chez moi, j'ai payé 120, 130, 140. Hein? La facture est venue 185 000. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, j'ai même pas discuté, j'ai payé. Ah! Une facture de 180 000 devient 250 000 francs CFA. Une personne qui payait 5 000 et qui payait au courant 5 000, facture vient aujourd'hui, ça fait 15 000. Quelqu'un même qui n'arrive pas à payer sa facture, c'est lieu de 5 000. Quand vous lui envoyez une facture de 15 000, il va payer comment? Avant, on avait peur de l'obscurité, mais aujourd'hui, là, on a peur de la lumière tellement l'électricité est chère. Quand 10% devient 70%, c'est dans quel but? Moi, je ne suis pas surpris. Hein? Hein? Depuis quand ils ont fait les 10% d'augmentation là, pendant la canne, c'est à ce moment que tout le monde devrait se plaindre. Voilà, c'est ça. Bah nous, on passait notre temps à se moquer des Maliens Burkinabés. C'est nous, on se moquait des Maliens, on se moquait des Burkinabés. Quoi, ils n'ont pas courant. Mais aujourd'hui, là, voilà comment nous, on paye facture dans nous-mêmes, notre propre pays. Matin, midi, soir, on augmente la facture. Tu vas payer facture de ceux qui sont fatigués. Soit la CIE manigance avec l'opposition, soit c'est l'État de Côte d'Ivoire qui veut nous étouffer. Elles sont tellement chères qu'on n'arrive même pas à comprendre pourquoi. Nos mamans, on essaie d'acheter des congélateurs pour les donner, pour se défendre. Mais lorsqu'elles finissent de vendre glace, là, l'argent ne peut même pas payer contre l'élan de l'électricité. Vraiment, le développement en train de créer quelque chose. Ouais. Nous, on produit l'électricité. Le courant qu'on produit chez nous, et puis on paye ça quand même cher. Autant là. La centrale d'Azito, on a au moins 5 barrages hydroélectriques. C'est que tellement qu'on a le courant, là, on vend ça à nos pays voisins. Comment vous pouvez comprendre que nous-mêmes, là, c'est nous, on vend l'électricité et puis nous, on paye plus cher que ceux qui achètent avec nous. Ah bon? Vous nous livrez, nous les Burkinabés et les Maliens. Mais nous, on ne paye pas facture comme ça. Hein? Malgré que vous nous livrez le courant, là, nous, on ne paye pas facture comme ça. Ça coûte cher chez moi que chez ceux que je vends. Comment ça peut, on peut comprendre que nous, on vend l'électricité aux autres et paye moins cher que nous? Papa Ado, quand les gens parlent beaucoup là, il faut écouter et puis il faut prendre une décision. Ça fait près d'une semaine, je vois les gens parler sur les réseaux sociaux. Les factures ont triplé, ça n'a même pas doublé. Et vous ne dites rien. Vous regardez les gens, vous vous dites quoi? Ils vont gueuler, après ils vont la fermer. Ça sert à quoi de vouloir aider son peuple en arrangeant les coins et puis maintenant étouffer le peuple lui-même?
Donc, tout ce que la CIE fait là, le gouvernement, vous ne voyez pas ça. Revoyez la CIE. Tournez votre tête vers la CIE. La population ivoirienne en souffre, monsieur le président. Que la CIE nous ramène des factures réelles. C'est ça. Sous quel prétexte ils ont décidé de faire 10% d'augmentation? Dans le monde, tout le monde arrive avec un cadeau. Mais la CIE n'a jamais fait de cadeau depuis le monde existe. Ouais. Jamais. Moi, je ne vais plus utiliser le courant en commun. Mais qu'est-ce que je peux utiliser à sa place même? Un groupe électrogène. Ah bon, ça marche. Au Libéria, les gens utilisent le groupe électrogène. Au Ghana, les gens utilisent beaucoup le groupe électrogène. Les quelques ministres qui habitent Bonoumé ici, qui habitent la Riviera 3 et autres, il y a des groupes électrogènes devant chez eux. Même chez les DG de la CIE, il y a un groupe électrogène. Ah là, c'est que moi aussi j'ai acheté pour moi. Hein? Milou, rentrons. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Ok. J'espère que la vidéo qui vient de passer vous a bien plu. Lâchez un gros pouce bleu et on continue. Fabi la Burkinabé, on y va, nous t'écoutons. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec toi, il n'y a pas d'histoire. Saisis, t'es un ami. Oui. À qui tu veux faire avaler. Tout est gâté. Il ne t'inquiète pas, je suis pas pénou. Hein? Ensemble, net, il est. Tiens ton ordinateur là. Ce n'est pas qu'une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous, de tout le monde, d'infidélité. Hein? D'infidélité. Ferme-moi. Aujourd'hui, c'est dosé, hein? C'est dosé même. Pas dit. Oui, j'ai fait du salé, j'ai fait combien de femmes. J'ai peur que tu deviennes. Calmos. Mon retour de femme. Oui, oui, j'ai fait du salé, j'ai fait combien de femmes. J'ai peur que tu deviennes. Mon retour de femme. Ma série, tu es jolie. Avec un colon poli, les hommes sont sans pitié. Interdit les approcher. Avec le temps, tu embellis. T'es même embelli. Attends, avec le temps, tu embellis. T'es même embelli. On t'a fait quoi? Méfier. D'amitié, si je t'aime, je suis jaloux. Ah. Je vais rire dans l'eau. Mon bébé, tu es l'aimé. T'es la femme de quelqu'un. Tu veux dire ta mère, je veux dire, tu m'appartiens. Oh, je suis dans quoi aujourd'hui? Jaloux. Je suis jaloux. Les Burkinabés, c'est un autre niveau, hein? Allô? Oui, bonjour, c'est la pluie? Oui, c'est la pluie. Ok, en tout cas, merci pour hier, hein. Merci, vraiment, tu as bien travaillé. Vraiment, merci. Voilà, c'était bon. Voilà, mais allô, la pluie? Oui, monsieur. Allô, la pluie? Oui, faut parler, je t'écoute. Je voulais aussi savoir un truc. Tu voulais savoir quoi? Est-ce que tu peux faire deux autres tests encore? De faire un autre encore? Oui, oui, tu fais deux autres tests. Dans le même coin, là? Non, pas dans le même coin. Tu vois Carrefour Indénié, là? Carrefour Indénié. Je vois bien. Voilà, Carrefour Indénié. À côté, ils ont fait un nouveau pont. Ah, le cinquième pont là. Oui, le cinquième pont. Le pont de Jacquesville là, n'est-ce pas? Non, c'est pas pont de Jacquesville. Mais attends, c'est vers où même? Quand tu as l'Indénié juste à côté là, le pont Jean Tour Eiffel là. Ah, cathédrale, n'est-ce pas? Non, c'est pas cathédrale. Cathédrale, ça c'est au plateau. Le pont, voilà, Cocody plateau, le nouveau pont là. Pont là qu'ils ont fait tout récemment là. Faut voir si tu peux faire un saut là. Je suis. Donc de faire un saut là-bas aussi. Oui, oui. Faut faire un saut rapide. Tu vas faire le test là-bas aussi, s'il te plaît. D'accord, je vais voir. Maintenant, quand tu as fini le pont là, à côté là, il y a le stade. Ils sont en train de. Voilà, stade Oufou Boyi, c'est en rénovation. C'est lui qui n'est pas loin du pont là, n'est-ce pas? Voilà, tu fais un saut là-bas, comme c'est pas loin. D'accord, le test là, on va faire là-bas aussi. Voilà, faut tester là aussi. Mais j'ai dit, le test là, c'est payant, hein? Non, il y a tes payés la pluie, il y a tes payés. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Donc, ce que j'ai fait avant-hier là, c'est bon? Non, c'est bon, c'est parfait. La petite honte vaut mieux que la grande honte. Cette honte là est encore mieux, on pourra vraiment la gérer et tout ça en attendant la CAN. Imagine que c'était la vraie CAN. Heureusement que c'est un match amical ça là. Et puis tu sais, le match d'hier c'était plus suivi que même le match de Cameroun, hein. Ah bon? Donc le jour là, Cameroun a joué aussi. Cameroun jouait sa qualification, mais les gens ne regardaient pas ça. Ah, Cameroun aussi, hein. Même leur match on regarde pas. C'est quoi ça là? Même les Camerounais même regardé le match de Côte d'Ivoire. Au Panama. Si tu as fini de tester, tu m'appelles. Voilà. Comme il y a les codes dessus, on ne sait jamais. Voilà, faut tester. Les pieds, ils ont fait la faux. Tu vois un peu, non? Faut yougou ça. Eh,
inscrivez-vous sur l'application BetWinner avec mon code promo BARA227. Avec ça, vous allez gagner 200% de bonus sur votre premier rechargement. Et avec BetWinner, vous avez la possibilité de parier sur n'importe quel sport. J'ai dit bien n'importe quel sport, hein. Le lien pour s'inscrire est en bas dans les commentaires. C'est tous. Bon, notre loi ici c'est... Tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je m'en fous de toi. C'est dit qui la deuxième loi est... Dans la vie c'est versi, versa. La danse, s'il vous plaît. Qui peut me conjuguer le verbe falloir au présent de l'indicatif? Le verbe falloir au présent de l'indicatif. Oui, vas-y. Je fallu. Tu fallu. Il fallu. Attends, je suis dans quoi? Vous fallez. Eh hey Dieu. Il fall. Attends. Il fall. Ferme-moi. Grimpe. On y va. Et les enfants, quittez devant la cuillère, vous allez vous blesser. Est-ce que tu as mangé les enfants? Quoi? Abonnez-vous, c'est tous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine, abonnez-vous et j'aimez. C'est la fin de cet épisode. Énorme merci à vous d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner. On se dit à la prochaine.